La participation citoyenne permet de rencontrer les gens du quartier qui souvent ne se connaissent pas. Les jeunes se rencontrent à l'école en allant chercher leurs enfants. Les plus âgés viennent de temps en temps au CSC parce que nous travaillons avec le CSC. Alors comment ça fonctionne? C'est un lieu participatif. Il suffit de venir la première fois au conseil de quartier trimestriel qui réunit l'ensemble des habitants du quartier. À partir de là, on peut s'insérer dans des commissions qui existent ou alors on peut venir avec un projet collectif. On vient voir le conseil de quartier, on le soumet au coprésident élu et coprésident citoyen. C'est une instance qui est menée à deux personnes. Et puis moi, adjoint à la vie participative, je participe aussi. Donc on vient nous voir, on nous soumet une idée. Et puis si l'idée est retenue par le conseil de quartier, on va pouvoir la développer. Et vous avez encore d'autres possibilités de faire de la participation citoyenne, c'est à travers de la coopération, comme la journée mondiale de la propreté, les voisinades ou bien encore venir participer à l'accueil des nouveaux habitants qui se déroule aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Niort, les Niortais sont très heureux de vous accueillir à Niort. C'est aussi un vrai plus pour nous d'avoir ces personnes qui viennent d'ailleurs avec une autre façon de voir les choses et qui font que Niort, c'est les géographes qui le disent, un petit côté petite métropole, ville à taille humaine. Et ça, on y est très attachés. Et on compte beaucoup sur vous pour continuer à l'insuffler avec nous. On ne va pas vous regarder faire, mais on va être avec vous et avec tous les autres Niortais pour faire en sorte que cette ville continue de bouger. Alors, je suis impliquée sur le conseil de quartier car je suis convaincue que les habitants ont des idées pour la vie locale. Ils y vivent tous les jours et ils ont du coup beaucoup de projets. Et donc notre rôle à nous en tant que coprésidente, c'est de faire remonter ces idées, de les faire naître avec les élus de la mairie.